Aujourd'hui, il fait pas moins de 35 degrés à l'ombre. Il fait super chaud, c'est ce qu'on appelle... Bienvenue dans ce nouveau vlog de Georges Fait des Vidéos. Georges ? Ouais ? Comment ça va aujourd'hui ? Muy bien. Bon, c'est le premier vlog estival. Ah. Comme toutes les semaines, j'ai vu Georges, on s'est bien amusé. Donc nous sommes bien dans l'ascenseur et on fait le premier ascenseur challenge de l'été. C'est parti. Ah ouais, c'est pour mettre de l'eau pour toi, là. T'inquiète pas, on va y venir. Voilà, ça pète. Ça, pour péter, ça pète. Mais pour appuyer sur un bouton d'ascenseur, ça, c'est encore autre chose. On n'a pas trop fait l'effort, car il fait super chaud, donc on est allé juste chercher son journal. Bonjour, avec le journal. Là, t'as su quoi ? Le journal. Journal ? Ouais. On nous dit journal, c'est 2,70€. C'est un peu plus cher aujourd'hui. On nous dit vendredi. 2,70€ ? Ouais. Et voilà. Georges, on va aller s'asseoir, nous. Pourquoi on va s'asseoir à ton avis ? Parce qu'il faut éviter de faire des efforts pendant la canicule. C'est un des gestes. À ton avis, pourquoi on n'a pas pris de l'alcool ? Exactement. Donc ça fait partie d'un des gestes aussi. Quand il fait trop chaud. On a pu réviser les 7 gestes indispensables en cas de forte chaleur. Aujourd'hui, vu qu'il fait très chaud, il fait 35 degrés à l'ombre. Ouais. Et bah on va adopter les 7 réflexes quand il fait chaud et qu'il y a une canicule. Est-ce que tu connais les 7 réflexes, Georges ? C'est éviter de sortir quand il fait trop chaud. Éviter de sortir quand il fait chaud ? Ouais. Ouais. Vous vous en doutez bien que la gourde a refait son apparition. Pour le malheur de Georges, puisqu'il déteste l'eau. Là, pour mettre de l'eau. Exactement. Georges, est-ce que tu te rappelles où on sert de l'eau ? Moi, bébé. C'est à ta gauche. Voilà. Et on va le remettre dans la chambre, ça ? Bah non, parce qu'on part avec. Et toi, tu vas partir avec ? Dans les mains, tu tiens déjà un indice pour le premier geste. L'eau. L'eau ? Eh ben vas-y, on fait une pause eau ! Bravo Georges, un des premiers gestes quand il y a une forte chaleur, c'est... Réussi. Oui, c'est réussi, mais c'est quoi que t'as fait ? Ben, j'ai bu une gorgée. C'est boire régulièrement de l'eau. Un des gestes est de manger suffisamment, c'est-à-dire que le corps a besoin d'eau, effectivement, mais il a aussi besoin de manger. Et pour ça, j'en ai profité pour demander à Georges s'il se rappelait qu'est-ce qu'il avait mangé à midi, et c'était pas le cas. Moi, plus que j'ai mangé. Ah bah bravo. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de pas manger trop de viande. D'accord. et de péter quand on n'a pas envie. Bon, Georges, invente des nouveaux gestes. Il y a un ventilateur dans ta maison de retraite ? Moi, ben, ouais. Oui, il y en a un, ouais. À l'entrée. Ouais. On va chercher. Et dans ta chambre, est-ce que tu as bien fermé les volets ? Je sais pas. Les volets, ils sont ouverts ou fermés ? Les volets, ils restent comme ça tout le temps dans toutes les chambres. Pourquoi ? Bon, c'est une question de sécurité. Non. Pourquoi ? Tu sais pourquoi, toi ? Oui. Alors, vas-y. Bah, c'est écrit là. Il écrit quoi ? Canicule, forte chaleur, précaution à prendre pendant la période de canicule pour éviter le réchauffement excessif des chambres, les stores resteront baissés. Donc ? La direction. Bah, ça reste comme ça. Mais pourquoi, alors ? Bah, pour pas que
La mer rentre à l'intérieur. La quoi? Ben, ce qu'il ne faut pas, c'est que ça rentre. Il faut que ça rentre à l'intérieur. La chaleur. La chaleur, hein. La merde, il a dit. Il faut aussi un peu mouiller les cheveux. Faut humidifier le corps. Faut savoir que Georges est allergique à l'eau. Il aime pas l'eau. C'est vrai, Georges, t'aimes pas l'eau? Et puis j'aime pas les salauds. Bon, t'as mangé quoi midi? J'ai mangé ce qu'il y avait dans l'assiette. Donc t'as mangé une salade de lentilles avec une aile de raie sauce au beurre, riz pilaf et julienne de légumes, fromage, abricot, sirop. C'est ça? Ouais. T'es sûr? Oui. T'as pas l'air très sûr, hein? Si. Et dans les robinets. Bon, allez, bois un coup. Non, non, c'est bon. Non. Faut boire de l'eau. Ah non, bah, je vais boire le café. Non. Bah, ouais. Faut boire de l'eau après le café. Ouais, bah demain. Bon, Georges, je vais pas boire de l'eau, il est vilain. Un geste que Georges fait constamment et automatiquement à chaque fois qu'il va boire un café ou boire quelque chose dans un café, c'est de laisser un pourboire. Là, comme ça. Bon, on y va. C'est parti. C'est un geste qui s'est un peu perdu aujourd'hui. Et je trouve ça assez attendrissant qu'il laisse à chaque fois 60 centimes, 70 centimes. Ça fait le charme de Georges. À demain. À demain, ouais. À demain. Demain. Il veut jamais partir. Inch'Allah. Vous êtes pas en Italie, nous payer une tournée, que vous verrez demain. Ouais, viens. On va tourner après-demain. Il y a beaucoup de femmes sur la chaîne qui ont dit que t'étais beau avec ta barbe. Ah. Qu'est-ce que tu leur dis? Ben moi je verrai, si je les vois après, je leur dirai qu'elles sont toutes belles. Le dernier geste à faire quand il y a une forte chaleur, c'est d'appeler les proches pour voir s'ils vont bien. Donc moi, t'as pas besoin de m'appeler parce que je suis là. Ouais. Qui tu pourrais appeler du coup? Ma mère. Hein? Ma mère. Ta mère? Ouais. Ta mère, elle est plus là. Un de mes frères. Un de tes frères? Ouais, Jacques. Jacques, et tu veux appeler qui d'autre? Claude. Claude, et ensuite? Fini. C'est tout? Ouais. T'es sûr? Oui. Tu veux pas appeler Clara pour savoir comment elle va? Ouais. Clara, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Ouais, toi? Pas tellement, je crois. Ah, t'es assise ou t'es debout? Non, je suis dans la chambre. Eh ben donc t'es assise. C'est la fin de ce vlog. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu leur dis? À bientôt. Moi je vous dis à la prochaine et en attendant, n'oubliez rien. T'as mobilette dans le coin? Ouais. T'en as ça dedans? Non, la gourde, tu la gardes. Ah bah non. Ah bah oh.